Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une vidéo haul. Donc dans cette vidéo je vais vous présenter quelques petites choses que j'ai récemment. C'est très bizarre de regarder là-haut parce qu'il y a une toile d'araignée, c'est... Oh, une toile de poussière, je sais pas trop. Peu importe, whatever. Donc je vous retrouve aujourd'hui en vidéo pour vous faire un haul. Donc dans ce haul je vais vous présenter mes derniers achats. Donc ça va parler un petit peu de tout, vous allez voir, il y a très peu d'achats, mais quand même j'avais envie de vous les montrer et je fais une petite mise en place, mise en scène un peu différente de d'habitude puisque je suis debout et je trouve ça bien plus pratique en fait pour vous parler et vous filmer un haul. Donc je vais attraper mes articles, je vais vous les montrer, du coup je pourrais vous les montrer avec un peu plus de place on va dire, et je ferai évidemment un try on. Pour commencer j'ai acheté sur vente privée deux choses, de la vente Puma qu'il y a eu il y a quelques semaines de ça, c'était en prévision voilà, de mon opération aussi, sachant que si vous ne savez pas de quoi je parle, si vous ne savez pas quelle opération j'ai subie, il y a une vidéo sur ma chaîne qui est apparu il y a quelques temps, donc vous pouvez aller la voir si ça vous intéresse. J'ai acheté un ensemble de sous-vêtements sportifs chez la marque Puma, donc sur vente privée. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc je suis pas encore sûre de vous faire un try-on de cet ensemble, on verra bien, mais en tout cas si je ne sais pas, vous pouvez le retrouver. Je vous mettrai une petite photo, je pense, de la vente si j'arrive à retrouver, ou même sur le site Puma je pense que je trouverai, donc je vous mettrai la photo portée ici. Donc l'ensemble se présente comme ceci. Donc il y a une culotte taille très haute avec un élastique sur lequel il est écrit Puma. C'est un espèce de gris chiné avec sur les côtés du mesh, je sais plus comment on dit, voilà, c'est un peu transparent en fait. Donc voilà pour la culotte. Et le haut, c'est une brassière, donc c'est toujours un ensemble sportif, donc voilà. Donc le haut, c'est une brassière comme ceci, avec toujours le côté mèche qu'on retrouve ici sur le décolleté, le gris chiné, l'élastique en dessous. Et le dos de la brassière, en fait, c'est avec des élastiques, c'est pas resserrable, mais c'est extensible, donc ça peut s'adapter à plusieurs morphologies, à plusieurs types de corps du coup. J'avais commandé une taille 38 sur le site vente privée parce que je savais pas trop si j'étais plutôt un 36 ou un 38 chez Puma, comme je sais qu'il y a certaines marques qui peuvent tailler grand ou petit, notamment les marques de sport comme ça, enfin les grandes marques type Adidas, Nike, Puma. Donc voilà, j'ai préféré prendre un 38. En fait ils m'ont envoyé une taille S, donc en fait je sais pas pourquoi ils demandaient 36, 38, 40, etc. Je choisis 38, on m'envoyait S, donc comme si c'était juste S, M, L, XL ou XS, etc. Et l'ensemble m'est revenu à m'est revenu à 10€. 5€ la brassière, 5€ la culotte. Donc autant vous dire qu'un ensemble à 10€, c'était juste hyper abordable et j'ai sauté sur l'occasion. Et j'avais 3,99€ de frais de port à payer en passant par vente privée et en me faisant livrer dans un relais colis. Ensuite, donc ça je vous montrerai pas porté, mais je peux vous montrer pareil sur le site d'Undies comment ça se porte. Donc j'ai fait quelques achats chez Undies et je peux vous dire les prix puisqu'ils sont encore accrochés vu que j'ai encore les étiquettes dessus. Mais il y avait une offre en magasin, donc en fait pour deux ensembles soutien-gorge plus culotte ou plus string, etc., ça revenait à 35€. Donc moi je sais que sur mon ticket de caisse ça m'a fait économiser pas mal d'argent puisque les deux ensembles que j'ai choisis me revenaient normalement à un peu plus de 51€. Et du coup ils m'ont fait une réduction puisqu'il y avait l'offre en question à ce moment là dans le magasin. Du coup j'ai payé les deux ensembles 35€ en tout pour deux soutiens-gorge et deux culottes. Donc c'était juste priceless quoi, j'étais tout juste trop contente. Le premier ensemble il est juste trop kiki, hyper féminin, hyper romantique je trouve et trop mignon. Donc il s'agit d'un soutien-gorge bustier comme ceci, donc en rose pâle, presque, ouais c'est du rose pâle, un peu rose bébé, trop mignon, avec un effet un peu corsé juste ici. Donc il est vraiment superbe. Derrière vous avez les agrafes dans le dos, les bretelles sont ajustables. Et le haut je l'ai pris en taille M. Le haut tout seul il coûte 16,95€. Et pour aller avec, j'ai pris cette culotte trop mignonne et adorable que j'ai pris en taille S, qui coûte 7,95€ et qui se présente comme ceci. Donc c'est pas vraiment une culotte, c'est un string. Mais voilà, vous avez l'aspect transparent comme sur le soutien-gorge juste ici. Et derrière, c'est un string. Voilà.
Donc c'est juste adorable et trop cute, je trouve. J'ai vraiment hâte de porter cet ensemble, il est trop mignon. Et le second ensemble, je vais essayer de vous le montrer correctement, mais ça va pas être hyper évident. Mais de toute façon, comme je vous avais dit, je vous mettrai en photo les ensembles sur les mannequins d'Undies, parce que sur moi ça donne pas pareil. Donc le deuxième ensemble, c'est un ensemble de lingerie noire, donc avec un soutien-gorge comme ceci, avec de la dentelle au niveau des épaules en fait, et du haut du sein. En dessous, c'est juste une coque souple, mais complètement opaque avec de la dentelle. Et la particularité de ce soutien-gorge que je trouvais trop joli, c'est sur le côté. Donc quand vous avez votre peau juste ici, voilà, ça vous fait un joli side boob en fait. Je sais pas trop comment dire, mais on voit en fait le haut de vos côtes. Et il y a un petit élastique en fait qui fait que... Bref, c'est juste trop mignon. Ce soutien-gorge tout seul, il coûte 16,95€ également. La culotte, alors ça va pas être facile à montrer, je l'ai pris en S. Et ça coûtait 9,95€ à la base, donc comme je vous disais, moi j'ai bénéficié d'une offre, mais si vous voulez connaître les prix individuels, voilà, je préfère vous les donner. Donc pour vous montrer ça, c'est une culotte taille haute, mais juste trop belle, enfin je sais pas comment vous... J'espère que vous verrez correctement. Voilà, ça se présente comme ceci, donc elle est avec plein de détails de dentelle, de mèche, de transparence et tout. J'ai trouvé qu'elle taillait assez grand, donc faites attention de bien essayer si vous pouvez. C'est vraiment une culotte derrière et en fait vous avez, comme pour le soutien-gorge, des espèces d'élastiques à remonter sur les hanches, donc ça couvre quand même pas mal votre corps et c'est juste très joli, je trouve, et très délicat, et j'aime beaucoup. Et enfin, le plus gros de ce haul, c'est une commande chez H&M que j'ai passée il y a quelques semaines de ça sur le site à l'occasion de promo, et j'ai bien fait, je suis juste ravie parce que j'ai payé ça une misère. Donc premièrement, j'ai commandé une brassière donc, de sport que je porterai sûrement, certainement en crop top cet été. Donc je la trouve trop mignonne. Elle m'a coûté 4,90€ au lieu de 9,99€. Elle m'a coûté... donc cette brassière de sport m'a coûté 4,99€ au lieu de 9,99€ puisqu'elle était en promo. C'était le cas de tout ce que j'ai commandé. En taille M, voilà. Je savais pas trop, j'hésitais entre S et M, mais je pense que j'ai bien fait de prendre du M. Donc voilà comment elle se présente, elle est juste trop mignonne, kaki. Il y a un effet un peu satiné, un peu de brillance que j'aime beaucoup. Et en dessous vous avez un élastique avec un effet de transparence, je pense que vous pourrez voir mes doigts à travers. Donc voilà, elle est juste trop mignonne et j'aime bien le fait que ce soit un peu sportif, mais avec un col du coup rond et basique. Et moi ça me fera un crop top pour cet été avec un truc taille très haute. Et j'ai pris le même style encore de brassière de sport, mais cette fois-ci en rose. Donc ça fait très girly. Et cette brassière-là m'a coûté 3,99€, toujours en taille M, au lieu de 9,99€ également. Donc cette brassière-là, elle est rose, mais elle est juste trop mignonne. Elle a vraiment la même coupe du coup que la kaki. Et je la trouve trop jolie, j'adore la couleur. Voilà, donc c'est un rose... Barbie, un rose fille, vraiment, mais je le trouve trop beau. Et dessus, il y a écrit string, ficelle. Je sais pas pourquoi il y a écrit string, élastique, non, pourtant c'est pas... Bref, trop mignonne quoi, j'aime trop. En tout cas, moi j'aime, donc voilà. Et enfin, j'ai acheté un ensemble que je voulais acheter depuis le mois de janvier, donc autant que vous fassiez le calcul assez rapidement depuis les soldes de janvier, c'était dans la nouvelle collection, donc pas encore en solde. J'ai fait tellement, mais j'ai tellement, mais tellement bien fait en fait d'attendre. J'ai attendu le mois de janvier, février, mars pour commander en avril, et je l'ai pas encore porté parce que j'ai pas encore l'occasion, mais je vais bientôt le porter. Un ensemble de jogging que j'avais repéré du coup chez H&M en magasin, que j'avais pas essayé, faute de sous, parce que l'ensemble coûtait 50€ en fait en tout, puisque je crois que c'est 24,99€ et 24,99€ que ce soit la veste et le jogging. Donc je vais juste vous montrer à quoi ça ressemble, de toute façon vous aurez le clip try on évidemment. Donc la veste m'a coûté 9,99€, donc comme je vous disais, au lieu de 24,99€, c'est bien ça que j'ai pris en taille S. Et le pantalon m'a coûté 7,99€ au lieu de 24,99€. 7,99€ au lieu de 24, les gars, c'est juste j'étais trop contente, j'ai attendu, je l'ai laissé dans mon panier pendant des semaines et des semaines cet ensemble, jusqu'à ce qu'il passe
en promotion à un prix totalement dérisoire, donc je suis trop contente. Donc le haut, donc la veste se présente comme ceci, c'est bleu marine avec des pressions tout le long de la manche, des pressions blanches sur une bande rouge. Donc les pressions s'ouvrent, hein, ce sont des vraies pressions. Donc après ça se porte comme vous voulez, soit vous laissez la pression du haut et du bas ouverte, fermée pardon, et vous ouvrez tout le reste, du coup votre bras passe là-dedans et se voit, c'est comme vous voulez. Soit vous, enfin en tout cas, soit vous dégrafez tout, soit vous laissez tout, tout accroché, enfin voilà. Apportez comme bon vous semble. Et je trouve la coupe vraiment trop mignonne avec une fermeture éclair. Donc c'est crop top et c'est juste top. Et c'est satiné en fait le tissu, donc j'aime beaucoup. Et le jogging, donc comme c'est l'ensemble, il va avec, comme ceci, bleu marine avec des ficelles. Mon seul regret c'est que la taille, en fait l'élastique à la taille se resserre pas assez. J'ai pris une taille S et c'est juste très grand. J'aurais dû prendre du XS parce qu'à la taille c'est très grand et moi je veux le porter taille haute. Donc j'arrive à resserrer mais il faut que je serre au max. Et voilà, donc faites attention parce que là pour le coup ça taillait vraiment très grand cet ensemble. Donc à moins que ce soit fait pour porter sur la taille, mais même porter sur la taille c'est quand même assez grand je trouve. Donc voilà, j'aurais pu l'échanger en XS mais j'ai hésité longuement. Et je me suis dit non, c'est fait pour être porté quand même loose et tout. Donc voilà, j'ai gardé le S. Sachant que du coup, ouais j'avais un peu peur que le XS soit petit au niveau des cuisses ou quoi. Et voilà, et comme c'est vraiment un ensemble à porter un peu large, j'ai préféré garder le S. Donc c'est tout pour cette vidéo haul. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à liker la vidéo comme d'habitude. Ça me fait toujours très plaisir. Ainsi qu'à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. J'espère aussi que ce format là pour filmer vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire. Si ça vous plaît pas aussi, n'hésitez pas à me le dire également et à me dire pourquoi. En attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous fais d'énormes bisous. Salut. Ouah. Ooh.